よいしょ。こうだ。でこう。あ、いや、ビビった。でもこれ前で。あ、ミュージック、メルソンのジュ。Eh bonjour radio. Comme d'hab, je vais faire mon droit du sang tranquillement. Hey yo. Heureusement que t'es arrivé parce que depuis tout à l'heure je suis dans la galère avec la radio. Hein, la radio me mettait un message comme quoi j'avais une erreur machin et avec Zach on comprenait pas ce que c'était. En fait c'est parce que personne n'était activé sur la radio. Oui oui c'est pour ça. C'est je vois de quel message tu parles. Ouais c'était qu'est-ce que je comprenais pas ce que c'était. Et Zach il me dit bah non c'est pas parce qu'il y a personne. Enfin on comprenait pas. Bon, moi je vais faire mon don du sang, puis après je vais sûrement partir en tournée. Et je sors du dépôt. Merde, c'était là à gauche, je suis trop con. Je vais venir avec toi, je finis juste un truc. Bah aussi. Si mon dieu les SPD a vu ça, ils vont me casser les dents. Faudrait tellement la possibilité de pouvoir faire ça à distance. Eh hey, bonsoir. Hey, bonsoir. Je viens pour faire un don du sang. Don du sang? Allez, venez avec moi. Yeah. Je pète des câbles. Ok, bon, je vous laisse enlever votre veste. Ouais. Je vais vous préparer le matériel, du coup je vais vous poser des petites questions. Et là, ça c'est une poubelle, hein. C'est pas le matériel là-dedans. Hein. C'est Murphy ça, non? Bon, alors, du coup, est-ce que vous connaissez à peu près les questions habituelles? Oui, je les connais, et normalement, je suis bon partout.
Bon partout, vous avez pensé à la plus importante, boire et manger? Oui, c'est bon. Ok, on a fait un point avant votre bras du coup. Voilà, parfait. Et le petit pansement qui va avec. Merci. Hello Kitty. Oh. Voilà. On écoule les stocks. Ouais, j'ai bien Voilà. compris. Je vous laisse remettre la veste. Ouais, merci. Eh oui. Oui. Bah, disons que notre précédent collègue, il y a quelques mois, nous a commandé, au lieu de plusieurs paquets, à plusieurs cartons. Donc on n'en est qu'à la moitié des cartons. Ah. Oui, ça fait des centaines de milliers de pansements. Il n'y a pas une date de péremption sur les pansements? Si, de 9 mois, mais ça Ah. fait seulement Alors, je vais vous. Ah, attendez, 5 on va mois. laisser passer. Ouais, Attention à vous, les et moi je Tamarfi. t'en. Ah, Oh, bonsoir. bonjour. Alors, je vais vous demander de me lire ce qu'il y a écrit sur la machine à café en haut et en bas. Est en train de faire sa visite médicale. Voilà. Bon. Bah Bah, du je vous coup, je vous souhaite remercie. une excellente soirée. Bah À vous merci à vous. aussi. Au revoir. C'est un temps précieux. Allez, passez une bonne soirée. Parce que là, j'ai cours parce qu'à chaque fois, ils mettent 10 ans à dire bonne soirée, au revoir. J'ai fini avec mon don du sang, je retourne au dépôt pour me préparer. J'arrive en vie pour moi. Putain, dans ce bagnole, on avec ces fringues-là, on la voit pas très bien la ceinture de sécurité, c'est chiant. Non, j'ai pas appuyé sur frein à main, c'est pas vrai. Et je rentre dans le dépôt. Et je nique l'avant de ma bagnole. Putain, fais chier. Ouais, ça va. C'est juste trop stylé l'animation quand tu remontes et quand tu baisses le toit. Je pourrais jouer avec pendant des années. Et les années. Hop, je vais m'allumer ma clope. Comme ça, j'aurais fumé ma clope avant de partir en tournée. Je suis en train de galérer à sortir ma clope à une main. Ouais, y a que mon fusil à pompe où y a je sais pas combien de milliards de balles dedans là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon. Personne n'a oublié de ranger un. Hop, Discord.
TDS 5 fap fap fap. Je passe la banque et j'arrive. Ouais, reçu. YOLO! Mais c'est une blague? Pourquoi il est tout le temps pété? Qui c'est l'enculé qui a pas fait le plein? Là, je sors du dépôt, je vais aller faire le plein du camion. Enculé Liam. Liam, espèce d'enculé. Je vais rentrer dans le dépôt. Ouais, reçu. Merde, c'est pas ici que je voulais tourner. On en fait chier, du coup je me tape des détours. J'arrive 2 secondes et c'est bon. J'arrive 2 secondes et c'est bon, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Alors, 83. Essence sucre d'orge. Et je rentre dans le dépôt.
Bon, c'est toi qui vas venir. Moi, je me déplace pas, mon gars. Eh, salut. T'as déjà les clés ou pas? Non, oui, je les ai. Ok. Bah, juste 30 secondes, le temps que je fume une vite fait une cigarette et on y go. Ouais, mais je me doute que la Vas-y. vite, c'est toi, espèce d'enculé, hein. De toute façon, c'est... pas ça. Bon, j'ai dû m'acheter un 9 mm en plus du pistolet de combat, moi. Ouais, parce que sinon, ouais, il y a un Sinon, les souci avec les munitions, ils tiennent chargeurs. pas, ouais. La magie de Los Santos. Après, le 9 mm, il suffit amplement. Hein. Moi, j'ai le 9 mm. Hein, ça... Ah ouais, mais j'avais acheté un pistolet de combat déjà, donc et qu'on peut pas le revendre. Ouais. Là, du coup, on va d'abord aller au dépanneur. Parce qu'il y a une vitre de pété. Je sais pas qui c'est qui a eu le camion avant, mais il a pas fait le plein. Il l'a rangé avec une vitre pétée. C'est pas la vitre que j'ai cassée hier. Non, non. Non, et puis ce camion, je pense savoir qui c'est. Parce qu'on est deux à tout le temps prendre celui-ci. Ah oui, non. C'est parce que tout à l'heure, je fais une tournée avec qui, moi? J'ai fait une tournée avec. C'est Liam qui l'a pété, je crois. Ok, je m'en doute. Je m'en doutais. Est-ce que lui et moi, on est les deux à tout le temps prendre ce camion-là? Et pourquoi il y a quoi de particulier ce camion? Je sais pas, c'est. Il y a le 13 sur la plaque qui porte bonheur et puis sucré d'orge. Je sais pas, on le prend tout le temps. D'accord. Et c'est moi, il t'a balance. Enfin bon, c'est rien de le dire à TJ ou Zach. Je chasserai Liam et puis voilà. Parce que là, je serais pas allé faire le plein, on n'aurait pas fait la tournée. Hein. Ouais. Et par contre, t'as pas oublié de faire un truc? Y a mon... Bah, annoncer la sortie des pots et où est-ce qu'on allait. Ouais, c'est vrai. C'est pas grave, c'est pour ça que là, tu vas être passager, que tu t'habitues à bien utiliser la radio et au nom des supérettes. Alors si je me gare là, on va se faire tabasser par les dépanneurs. Si on bloque le passage. Ah bon? Ouais bah t'as vu la place qu'on Ah prend. ouais. Je sais pas s'il y a des dépanneurs. On va voir ça. Ouais vas-y, je fais l'appel. Bon, j'ai fait l'appel, plus qu'à voir s'ils répondent ou s'ils sont là, quoi. Ouais, je pense qu'ils sont là, je sais pas. J'espère qu'ils sont là. Hein. Ouais, c'est souvent dur de les croiser, il est pas. Ouais, mais bien souvent, tu fais un appel, t'attends un peu au dépôt. C'est s'ils sont en intervention, ils répondent au SMS, ils font un SMS pour prévenir et s'il y a personne, bah c'est la merde. Pas eu besoin de forcer pour qu'il te balance.
Parce que je voulais qu'il te balance. Là, honnêtement, j'avais l'info à chercher et j'allais jouer dessus. Hein. De toute façon, Secret d'Or, je sais y a que toi et moi qui prenons. Et peut-être Jack. Mais généralement, y a que nous deux qui prenons. Mais du coup, le camion avant, c'est qui le conduisait? Ah. T'as dit quoi? Le camion, du coup, avant, c'est qui conduisait? Celui-là? Oui, celui-là. Mais en fait, je sais pas si c'est celui qu'on avait ou si c'est parce qu'on a fait une tournée à trois en fait. Donc il y Ok. avait deux camions de sortie. Et toi, t'étais avec qui dans le camion? Moi j'en ai sorti un, mais je me souviens plus qui c'est. Pas comment il s'appelait. Moi j'étais avec Liam justement. Mais il m'a fait sortir le camion pendant qu'il se préparait. Mais je me souviens plus qui j'ai sorti. Ok. Et après il y avait Jack avec nous. Ok. Dans l'autre camion. Mais c'est qui conduisait les camions? La première tournée, j'en ai conduit un moi. Et après moi j'ai dû partir donc. Quand t'es parti, le camion a été rangé ou ils ont continué? Ah, ça je saurais pas te dire parce que je les ai finir de vendre, j'ai une urgence sur le continent. Ok. Donc je sais pas s'ils ont continué derrière. Ok. Parce que si tu me disais que c'était toi qui le conduisais jusqu'à qu'il soit rangé, ça allait mal se passer. Hein, parce que ça veut dire que c'est toi qui n'avais pas fait le plein. Après, moi on m'a toujours. Enfin, pas ici, mais on m'a toujours dit de jamais faire le plein avant de ranger son véhicule. Bah nous justement si. Parce que si on a un transfert à faire, bah que le camion est le plein pour partir. Si nous on n'a pas de pompe à essence à la MST. Ouais non mais en fait si on m'a on me dit on m'a toujours dit de jamais faire avant de ranger parce que souvent le garagiste il siphonne un peu les véhicules quoi. Ouais, Bon on en a non, plus ou on en a moins. chez nous, Didier, il les siphonne pas, il est sympa. Ah bon? Non, chez nous, Ah je connais Didier, un peu. à la limite, il aime bien péter des vitres, mais il siphonne pas les réservoirs. Ah d'accord, enfin. Je finis de me servir mon verre et puis je vais dire que tant pis, il n'y a pas de dépanneur. Bah moi, Didier c'est le garagiste, Denis c'est celui qui prend les sacs. Bon, tant pis. On repassera un peu plus tard. Il y aura peut-être des dépanneurs. On va aller faire les tournées. Bon, après, taxé ou Ouais. Et départ à dépanneur départ des pour panneurs pour Toulouse. taxé ou Ah, vu qu'il y a que nous deux en radio, normalement t'as pas besoin de l'annoncer radio, mais là je vais te laisser le faire que tu t'y habitues. oh, putain. Mais non, je crois pas qu'on ait que deux en hein. Je sais pas. Bah y'a que toi qui m'as répondu depuis tout à l'heure donc. Ah, du coup, cette nuit, quand t'as tourné un peu avec Thomas, je pense t'as vu un peu comment il conduisait. Bah, il m'a laissé conduire en fait. Ah. Ouais, bah le jour où tu fais une tournée avec Thomas, c'est que c'est lui qui conduit, Ouais, oui. ne conduis pas comme lui.
comment dire qu'il se sert des camions comme s'il était sur un circuit. Ouais, du coup, tu fais bien fait de faire. Intérieur, j'ai deux clients, mais ça a l'air tranquille. RS intérieur. Ça commence bien, trois sacs, putain. C'est lui qui a sifflé ou un autre? J'ai entendu quelqu'un siffler comme pour siffler son chien. Le départ est aussi en direction ça. Ouais, c'est bon. Donc là, je sais pas si t'as vu, mais il y a du monde à CDC, donc il faut garder un œil en direction de la CDC. RAS intérieur. Bon, je sens qu'elle va être longue cette tournée si on est à peine à 10 sacs là. Alors, est-ce qu'on lui a déjà dit qu'il pouvait monter à l'arrière? Non. Je me souviens jamais de la prochaine. C'est Prosperity. Ouais. Des personnes en bonne direction Prosperity. Et après du Prosperity, coup... c'est Clinton. Ouais. Et là, du coup, pour San Andreas, quand tu remontes dans le camion, tu peux monter à l'arrière. Ça t'évite de marcher le long du camion sur la route et qu'un pécor à la con il te renverse pour rien, quoi. Donc, n'hésite pas à monter à l'arrière quand t'as porté avec côté route. RAS intérieur. Ginette, elle va se prendre un coup de fusil à pompe si elle continue.
3-3 et 2. Putain, elle me donne que quelques secs. Ouais, moi aussi, là, elle commence à m'énerver, Ginette. Pas prospérité d'action Clinton. Elle m'a fait 3 à 3 à 2, je crois. Enfin, elle m'a fait exactement pareil. Par contre, quand tu parles en radio, essaye de parler un peu plus fort dans le micro de la radio. Qu'on le comprenne bien. Mais même si tu m'entends moins prends un fort peu en plus de radio temps. qu'ici? Ouais. J'ai déjà moi sur ma radio j'ai déjà augmenté le volume pour toi pour t'entendre mieux mais ça y fait rien. Trois quarts du temps quand je parle en radio je comprends un mot sur deux. C'est mieux la radio? Bah, on testera quand tu seras un peu plus éloigné que moi, parce que du coup je t'entends à côté de moi aussi. Ouais, ça peut faire. Les Clinton. Cette nuit, Thomas, il m'a fait rire parce que on dirait qu'il était sous taché, tellement il était KO. Ah, ça. Oh, le mur. Oh merde là. RS parking et ruelle. RS intérieur. On rentre les pots. Bon, moi, Dès qu'il y a seul, explosion fini. du coup. Oui, dès qu'un truc comme ça, oui, on se barre direct. Du coup, tu peux envoyer SMS à l'Espidi en leur disant explosion proche, Superette Clinton. Si en plus il y a Pacifique là juste à côté, donc on joue pas. Et au début du message, précise bien MST. Ou à la fin. Ah, c'est bon, j'aurais fait. Écoute, t'as envoyé quoi comme message? Bah, j'ai marqué MST et j'aurais dit qu'il y avait une explosion proche de la supérette Clinton U5 sur. Ok. T'aurais. En fait, là, fallait préciser MST Red. Parce que, comme je t'ai dit hier, c'est quand on fait un retour dépôt et qu'on prévient à l'SPD, c'est MST Red. Comme ça, eux, ils savent quand on rentre au dépôt. Putain, mais c'est quoi ces explosions là en boucle?
De toute façon, moi je crois que je suis maudit, hein. À chaque fois mes premières tournées de la journée ça se passe mal. Ah ouais, On rentre au on dépôt. rentre au dépôt. Oh putain. Tant pis pour sa gueule. Il a qu'à pas squatter devant le dépôt MST. Oh, et puis s'est relevé, il se barre en courant là. Ouais, viens. T'as laissé tous les sacs dans le camion. Oui, moi j'ai pas de sac. Ouais, mais pour le moment, t'encombre pas pour rien, on sait jamais. C'est le LSPD t'a répondu? Ok, bon, on va attendre d'avoir de leurs nouvelles. Si 5 minutes on a rien, je leur ferai un message pour savoir ce qu'il en est. Du coup, toi, reste au niveau du couloir en sécurité. Moi, je vais aller de l'autre côté pour surveiller les portes d'entrée. Enfin, les accès, quoi. Et comme ça, en cas de souci, si je gueule radio, tu cours te planquer salle des coffres et tu fais MST Black. Avec la position pour le LSPD. Ok, ça va. Ouais, non, parce que là, avec toutes les attaques qu'il y a en ville, moi je prends pas de risque. Hein. Moi je joue pas au con. Et le LSPD, s'ils viennent, ils ont intérêt d'avoir les gyros allumés et à klaxonner. Hein. S'ils rentrent dans le dépôt. Hein. Parce que je les allume comme si c'était quelqu'un d'autre. J'en ai rien à foutre. Du coup, tu m'entends mieux d'ailleurs à la radio. Ouais, c'est bon. Allez, s'il vous plaît, attaquez-nous. Je veux de l'action là. J'en ai marre de faire des tournées qui se passent rien. Je veux qu'on nous attaque. Les crimis, arrêtez de vous chier dessus parce qu'il y a le FBI, s'il vous plaît. Allez les crimis, viens de vous battez. Même si je suis quasiment sûr que c'est des explosions PNJ, mais viens de vous battez. S'il vous plaît.
Bon, je vais faire SMS ou aller speedy, savoir ce qui se passe là, parce que. Ah, ça marche. Ah, si jamais, regarde combien il y a de sacs dans le camion et rentre déjà ça en compte. Hein. Bah rentre-les en compta puis on va les descendre, ouais. Ah, combien du coup? T1. Apparemment, ils ont rien vu sur les lieux ni aux alentours. Enfin, aux alentoires. L'orthographe et les speedy. J'ai l'impression que dans cette ville, les explosions, c'est commun. Bah du coup dès qu'on a fini de décharger le camion, on le range et on arrête les tournées pendant une bonne heure. Parce que les explosions c'est commun, mais vers Clinton c'est la première fois que j'en entends. Ouais vas-y passe. Je sais que le camion est vide, il n'y en avait plus que 6, mais il l'a pas annoncé radio, du coup ça a bardé, hein. T'aurais pas oublié d'annoncer un truc en radio? Quand tu prends les derniers sacs dans le camion, en fait, faut toujours annoncer camion, le camion, Ah quel oui. camion est vide. Parce que du coup, bah, j'allais ranger. T'as bien fini de déposer tous les sacs chez Denis. Ouais, c'est bon. Ok, bah, je range le camion. Tu peux aller prendre ta fin de service du coup.
Qui te suspecte? À notre arrivée. Clinton, après avoir fini la vérif intérieure, une explosion proche. L'avenue nous avons fait un MST raid et par la suite LSPD nous a dit que rien n'a été trouvé. Ouais, j'ai mis le rapport sur l'intranet de ce qui s'est passé. Oui, je le vois. Ouais, du coup. Au vu de l'heure, même si je viens d'arriver, je pense que je vais quitter la ville. Parce que je vais pas rester en ville pour rien faire si je peux pas tourner. Donc, du coup, bah fais gaffe à toi. D'abord. Puis je pense que tu vas pas traîner aussi. Ouais, je pense pas. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Toi aussi. Bon, stream assez court, même pas 1 heure, mais voilà, pas le choix. J'avais prévu de tourner, mais si je peux pas tourner, j'ai pas envie d'aller chasser ou quoi que ce soit, et je sais pas quoi faire d'autre. Donc sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée et une bonne nuit. Allez, ciao!